Et salut à tous les amis, c'est moi Fou et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Vandal Battle Royale avec, comme vous le savez, la nouvelle boutique qui est là. Mais avant de commencer la vidéo mon ami, en plus je sais que si tu es chez toi, bah je pense que tu peux pas bouger parce qu'avec le machin qu'il y a dehors, bon tu ne bouges pas. Donc c'est pour ça, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo sur 10, dites-moi le skin combien vous mettez. D'ailleurs j'ai fait un calendrier dans les commentaires, vous allez directement le voir, ça prend même pas 5 secondes. Je pense que ça va pas vous casser un ongle. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à les nouvelles personnes qui regarderont cette vidéo là. Et mettre surtout un petit like sur les vidéos si ça t'a plu et que le skin te plaît. Donc là les copains, on commence directement avec le nouveau skin sur Fortnite. D'ailleurs si tu l'achètes ou alors t'as tes potes, tu fais ouais poto, tu vas acheter le skin ou quoi, bah tu lui dis voilà petit code créateur de les familles, moi Fouizé-YTV, boum, t'acceptes. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. Donc là, nouveau skin, il est là. Ouais, je sais, je reprends ma respiration parce que je parle tellement vite, frère, que j'ai du mal, voilà, tu vois. Donc, il est à 800 petits V-Bucks, voilà, c'est stylé. Chapitre 2, saison 2, patronneux éclatlate, écarlate, bref. Donc, franchement, il est vraiment hyper stylé. Donc, on va noter sur 10, comme ça, vous savez très bien, hein, vous notez aussi en commentaire. Comme ça, j'aime bien lire vos ressentis, tout ça. Donc là, au niveau de la tête, vous avez vu, petite lunette de soleil qui passe super bien. Franchement, c'est hyper stylé, j'adore. Avec la petite casquette des familles sur le côté comme ça, en mode beau gosse. Avec un petit logo chelou, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est de ça, mais voilà, on dirait un genre de petit triangle avec un petit trait. Ok, d'accord. Au niveau du téton droit, les amis, on a aussi, pareil, un petit V retourné avec des petits symboles. Bon, c'est assez stylé, un truc un peu chinois ou je sais pas quoi, bref. Donc là, on a aussi au niveau du bras une petite gimbouille, un petit truc sympatoche. Franchement, le haut, il est vraiment hyper stylé, j'adore le haut. Franchement, c'est vraiment un skin triade, ça. Hein. Après, au niveau du petit fessier, bah, tout va bien. Le pantalon, franchement, il est vraiment stylé aussi, avec ses petites chaussures de beau gosse, l'agent de sécurité ou quoi. Bon, voilà. Franchement, j'aime bien. Franchement, si j'ai une note à lui mettre sur 10, on va compter aussi au niveau du prix. Je lui mettrai du 8,5 sur 10. Voilà. Presque 9 sur 10 parce que franchement le skin est super beau. Avec les petites balles aussi, j'ai pas dit. Franchement, je kiffe, j'adore. En plus pour 800 petits V-Bucks. Voilà, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si tu vas l'acheter ou pas. D'ailleurs, comme je vous ai dit, vraiment les copains, si vous achetez ou quoi, les familles, on n'oublie pas le code créateur. Hein. Sinon, si tu mets pas le code créateur, voilà quoi. T'es pas un BG. Hein. Donc voilà, ensuite, on a aussi le retour du petit skin de la saison 2. Le petit... Non, c'est pas un skin, désolé poteau, c'est un planeur. Voilà, tu vois, il est 2h du... 1h du matin. Voilà, tu vois. Le petit nounours, franchement hyper stylé pour 1500 V-Bucks de la saison 2. Ok, on a aussi le petit skin saison 2 pour 2000 V-Bucks avec son petit sac à dos, le petit nœud de papillon. Franchement, il est hyper stylé, mais je préfère en vert. Il était quand même assez joli aussi en vert. Et le petit planeur, franchement, pas mal non plus. J'adore pour 800 V-Bucks de la saison 8. Donc voilà, je pense que là... Ah oui, on a le petit pioche aussi pour 800 petits V-Bucks. D'ailleurs, on va la tester comme ça, là. Ouh, c'est trop stylé, j'adore. Ah, de la saison 7, ok. Un petit revêtement d'armes, assez stylé d'ailleurs, j'aime bien. Voilà, pour 300 V-Bucks. La saison 10, pareil. Comme pour le voir sur les différentes armes. Franchement, c'est assez stylé, j'adore. Plutôt bueno pour 300 V-Bucks. Franchement, ça va, ça passe bien. Ensuite, les copains, on a aussi le retour du petit skin de la saison 7 pour 1200 petits V-Bucks. Voilà, c'est stylé aussi. Avec les petits... Ouh, frère, il y a une grenade qui est buggy. Oh, Zegoza. Elle a le démon dans le corps, frère. Regarde-moi ça. Bam, 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 bam. Fortnite. Et le petit sac à dos, franchement, qui est pas très hyper ouf. Franchement, le skin, moi, je valide pas trop. Pour 1200 V-Bucks, on a différents styles. Ouais. En, comme ça, il passe un peu plus. Mais en bleu, comme ça, je sais pas. Je suis pas trop fan. Donc, dites-moi en commentaire d'ailleurs si tu es fan ou alors si t'es pas fan. T'es comme moi, tu vois. Ensuite, on a un autre petit skin de la saison 10 pour 1200 petits V-Bucks avec son petit fromage. Le petit fromage est assez stylé. Et on peut le voir en deux coloris. Donc, ça, c'est plutôt bueno. Pareil, boum boum, tu vois, voilà le petit fromage, voilà, si t'as faim, bah tu manges qu'est-ce que t'as derrière ton dos mon pote, hein. Une petite danse, Shifumi, voilà, qui refait son tour, la saison 3 pour 200 petits V-Bucks, bon bah voilà, c'est une petite danse assez stylée aussi. On a aussi une petite pioche de la saison 8 pour 800 petits V-Bucks, baguette étoilée, franchement elle est plutôt bueno aussi, on va essayer. Ouais, elle est stylée, machallah, elle est stylée. Et aussi une petite danse, voilà, de la saison 4 pour 800 petits V-Bucks. Les danses, je vais pas trop me tarder dessus parce qu'en général tu te fais démonétiser ou quoi, c'est un peu casse-couille, mais voilà, je pense que hein, vous connaissez ceux qui font des vidéos sur YouTube. Et pour finir, une petite danse de la saison 3, voilà, Contestation, voilà, pour 200 petits V-Bucks, assez stylé aussi. Dans l'ensemble, je trouve que la boutique est assez stylée, voilà, il y a des skins
qui peut plaire, comme des skins qui peut pas plaire. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en ressentez. Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo là, de ce genre de contenu là? En plus, on tourne en 1080p. Voilà, donc je pense que la vidéo doit pas très dégueulasse au niveau du gameplay. Dites-moi tout ça en commentaire. J'attends vraiment un petit commentaire. J'adore lire ça dans le lit, tranquillou. Voilà, avec un petit paquet de chips. Donc pensez à moi les copains. Je vous dis ciao, portez-vous bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était moi fou. Bye.